J'ai eu une sensation bizarre parce que, en fin de compte, j'arrivais dans un petit patelin en Algérie. Je venais de recevoir un télégramme de mon frère me disant, père gravement malade, venir d'urgence. Et je ne connaissais pas ce petit patelin, donc je me suis renseigné auprès des gens. J'ai rencontré un jeune homme et je lui dis, voilà, la maison d'un tel, elle est où? Et il me dit, la maison d'un tel, ah, là où le vieux est mort. Quand il a dit ça, j'ai compris que mon père était mort. Et ça m'a fait du mal, ça m'a... J'aurais voulu apprendre ça autrement. Et quand je me suis retrouvé avec mon père, avec ce corps, j'ai essayé, peut-être malgré tout, bien malgré moi, je ne sais pas comment je pourrais exactement dire ça, j'ai essayé de communiquer avec lui. J'ai voulu pleurer, je n'ai pas pu. Parce que mon père, ça faisait beaucoup trop longtemps que je ne l'avais pas vu, donc il y avait quelque chose qui était faussé dans l'affection, elle était beaucoup plus symbolique que réelle. Et donc je n'avais pas pu pleurer. Je me suis forcé à pleurer, j'ai pleuré, mais c'était contraint. Donc, et j'ai eu ce corps-là que j'ai demandé aux personnes qui l'avaient lavé de sortir. Tout le monde est sorti, je me suis enfermé avec lui et je lui ai parlé. Je lui ai parlé, je lui ai dit que je ne comprenais pas. Non, c'est pas que je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'il fallait qu'il me pardonne si je n'avais pas les larmes que peut-être quelqu'un d'autre aurait eues. Donc j'ai essayé de communiquer avec mon père. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai serré ce corps qui était glacé, qui était froid. C'est curieux, mais la mort, c'est autre chose. La mort d'un proche, c'est autre chose. C'est plus la même personne. Directement, où j'ai été très directement touché par rapport à un cadavre. Ça m'est arrivé une autre fois où là j'ai pas pu le voir dans sa chambre parce que je suis arrivé, il est mort en pleine nuit. Et je pensais bien qu'il allait mourir, mais je suis venu à 8 h le matin et il était déjà à la morgue. Et donc je suis allé le voir dans la morgue et c'était là plus que sordide. Il était complètement déformé, alors que la veille au soir, il était plutôt bien parce qu'il était sous morphine, donc il avait le visage vachement détendu, et là, il avait un visage qui était plus du tout lui, puis en plus, on lui avait fait une coupe de cheveux qui lui correspondait pas du tout. On avait voulu le rendre beau, mais il était très laid. Et la mort, c'était relativement hard, parce que d'abord, personne dans l'hôpital n'appelle ça la mort. Donc moi je demandais la morgue, on me répondait l'amphithéâtre, et je comprenais pas, j'étais dans un état un petit peu émotionnel fort, et donc je comprenais pas pourquoi on me parlait d'amphithéâtre, je voulais parler à l'amphithéâtre, je voulais aller à la morgue. Et puis je me suis retrouvé un petit peu comme un con là-dedans, parce que je savais pas quoi faire. Il était coincé sur un brancard, c'était bizarre, je restais 5 minutes, même pas, je sais plus, ça m'a paru très long. J'ai pas dû rester très longtemps. Puis voilà. Le premier mort que j'ai vu, je m'en souviens pas. Le fait de ne pas l'avoir vu, je pense que ça. J'ai refusé en fait. J'ai pas. Pour moi, il était parti. Il n'était pas mort, il était parti. Thank you.
parle de la mort, on parle un petit peu du folklore et de toutes les. Tout ce qui se fait autour, quoi. Une espèce de magie qu'il y a après la mort et tout ça, quoi. Et de la mort en tant que telle, non. Avec mes parents, j'en parle pas, j'ai jamais parlé. J'avais parlé de ma mort à mes parents, parce que de toute façon, ils ne m'écouteraient pas, et puis ils ne voudraient pas que j'en parle. Ça, c'est certain. En même temps, ils savent très bien que ça porte pas malheur, mais c'est rien que l'idée que j'en parle, c'est toujours dérangeant vis-à-vis des parents. Et bon, avec ma grand-mère qui en parle, mais quand elle parle, on l'écoute pas. Ça veut dire, oui, mais tu sais, c'est vrai. Non, on dit pas, on dit, écoute, t'es en pleine forme, t'as beau avoir 80 ans, t'es en pleine forme, quoi. C'est, on pense pas à la mort. Maintenant, évidemment, je pense beaucoup davantage parce que je sais que le parcours touche à sa fin. Alors c'est normal. Et puis je ne peux plus faire tout ce que je faisais autrefois. Il y a des ruptures, la vieillesse, force et rupture. On pense moins, on cherche ses mots. On ne peut plus marcher aussi vite, on ne peut plus faire du vélo. Et on peut... Bon, ben, alors on se dit, ben, mon vieux, t'y vas, quoi, t'es comme tous les copains. Pour être franc, j'ai peur de la mort. Et quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur de la mort, ça me pose problème. Parce que la mort est quand même une épreuve. La mort, c'est quitter ses amours, ses facilités, ses relations, sa petite vie qu'on s'organise. Je ne l'envisage pas. Voilà. Pour moi, je ne suis pas en âge de mourir. C'est tout. Je ne suis pas en âge de mourir. Non, je ne meurs pas. Des fois, quand on est enfant, et ben, on peut mourir aussi. Ah oui? J'ai déjà vu un grand enfant d'ici. Un grand frère qui était vieux. Au fond, c'est une chose que j'évite. C'est peut-être de la lâcheté. Mais... Je pense qu'avant, les gens très jeunes voyaient des cadavres. Or, aujourd'hui, on voit... Je crois que Véronique, Valérie n'ont jamais vu de mort. Elles n'ont pas vu ma mère. J'ai des amis pour lesquels c'était pareil. J'ai toujours refusé de rentrer dans le lieu où la bière était encore ouverte avant la fermeture. Je ne l'ai fait. En fait, j'ai vu deux morts dans ma vie, ma mère et ma grand-mère. Et puis, si je peux, je pense que si je peux en éviter d'autres, j'éviterai. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, on en voit beaucoup, puisqu'on en voit des quantités à la télévision. On voit quantité d'images de morts. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est aussi des images théoriques. Ce ne sont que des images. C'est une réalité, mais c'est une réalité ailleurs, autre, dont on peut facilement se préserver. Ça n'a pas le concret de la mort de quelqu'un qui est proche. Mon beau-père, tiens. Et bien, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelques os et quelques vêtements en lambeaux. Alors, on a mis tout ça dans une petite boîte, une armure. Alors, je me dis, on n'est plus rien. Le corps, il n'y a plus rien. Les os sont tombés comme ça. Je sais que. Il y a des rites aussi quand quelqu'un est mort, alors on ferme tous les volets, on ferme tout. Au fond, j'ai pas très bien compris ça. Tu le comprends, toi? Je crois que là, il y a aussi des habitudes. Oui, il y a des rites. Pourquoi les Africains dansent, ils chantent, ils dansent, ils s'extériorisent? C'est pas plus mal.
Les églises, ça me fait jamais penser à la vie. C'est tellement sclérosé. Parce que l'église, c'est le dogme, c'est la religion, c'est sclérosé, sclérosant, c'est... Là, ça, c'est vraiment la mort, quoi. Les plus fortes auxquelles j'ai assisté, c'était celle de Jérôme, qui était nulle. Je me suis dit, justement, qu'il y avait sans doute beaucoup de choses à faire sur les funérailles. Mais c'était tout sauf des funérailles dignes de ce nom. C'était une espèce de d'enterrement à la va-vite où surtout on ne disait rien du personnage, rien de sa vie, rien de... J'avais été très choqué par une image. C'était encore la messe. Et au moment de communier, bon, je ne communiais pas, mais bon, c'était quand même une famille de catholiques. Et il y a dû avoir sur l'assemblée qui devait faire 50 personnes, il y a dû avoir 4 personnes qui sont allées communier. Maman, le plus dramatique, c'est effectivement ses recueils dans la terre, avec la terre qui recouvre. J'avais besoin de voir ça, mais en même temps, c'est l'image pas belle que j'ai de la mort. C'est son visage qui se tord, c'est une espèce d'horreur sur les visages qui est, et sur le mien particulièrement, parce que je me trouvais tellement laid, une espèce de tristesse retenue en même temps, et devant un cercueil où il fait très froid et qui s'en va, enfin c'est des choses pas belles. Jamais vu de mort auparavant. J'avais 24 ans. Je savais que la mort existait quand même. Mais je m'étais jamais posé la question. Dans ma tête mouraient des gens qui avaient un certain âge, qui étaient malades. Tout ce qui était jeune et en bonne santé ne pouvait pas mourir. Or, ma mère est morte d'une hémorragie cérébrale. C'est-à-dire que nous, on était le week-end à Paris. Et le lendemain, mon père téléphonait que ma mère était morte. Elle est partie travailler, elle parlait, elle est tombée, elle était morte. Et j'avais jamais imaginé avant la brutalité de la mort, la possibilité d'une disparition totale, complète, définitive, d'une minute à l'autre. Or, c'est ce qui s'est passé. En plus, comme c'était ma mère, c'était difficile à vivre parce que tout en sachant que la mort existait, qu'un jour je mourrais, c'était une idée théorique. Or, la mort de ma mère m'a fait réaliser que moi aussi je mourrais, que c'était pas seulement une théorie, mais que c'était une véritable réalité. Et je crois que les parents, en fait, font très longtemps écran, même chez des gens qui aujourd'hui ont... Moi, j'ai des amis qui ont 50, 60 ans, et qui ont toujours cette idée théorique de la mort parce que leurs parents sont toujours en vie. Et je crois qu'on est réellement complètement confronté à la mort que lors de la mort de l'un de ses parents. Mais en même temps, en acceptant la mort de ma mère, j'ai accepté la mort des autres après, y compris la mienne. En fait, il n'y a que depuis qu'elle est morte, moi j'ai appris que j'allais mourir à 24 ans. Hein. C'est quand même pas mal. Un coup de fil, on me dit, il y a un colis à venir chercher en maternité. Bon, très bien. Donc j'y vais, mes collègues m'envoient, j'y vais, on me donne un petit colis grand comme ça, je mets ça sous mon bras, et on me dit, t'emmènes ça là-bas, dans le pavillon qui s'appelait... l'amphithéâtre. Moi, je débarquais là-dedans. J'ai dit, bon, allons-y, l'amphithéâtre. Moi, ça me faisait penser à la fac, ça me faisait penser à plein de trucs, mais je voyais pas ce que ça pouvait être. Et puis, j'arrive dans un truc un peu morne et tout, et puis je frappe, je sonne, personne, puis un type qui vient m'ouvrir, tout rougeau, qui avait l'air un peu
enfin très bizarre. Bon, il m'ouvre et puis je dis, bah voilà, je vous amène un colis. Et puis ce type-là, donc je lui donne et tout. Il me dit, oh là là, encore un mort-né. Et là, je me suis rendu compte d'où j'étais, ce que j'avais porté, tout. Et je me rends compte que j'étais à la morgue, qu'on appelle une façon de détourner l'amphithéâtre dans les hostos. C'est le jour-là que j'ai appris ça. Et que je m'étais trimballé en plein été avec un mort-né sous le bras, tout guilleré. J'avais traversé tout l'hôpital comme ça, quoi. Sans savoir de quoi il s'agissait. Et ça m'a bouleversé, quoi. Je suis allé voir mes collègues et j'ai trouvé ça dégueulasse. Enfin, je leur ai dit de ne pas m'avoir dit de quoi il s'agissait. Alors tout le monde écroulait de rire. C'était la bonne blague qu'on faisait aux petits nouveaux. Voilà, dans le milieu hospitalier, première fois que j'ai eu un contact avec la mort. C'est pas très... pas très joli. Mais c'est toujours les mêmes sensations. C'est marrant, au bout de 10, 12 ans, non, ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là. C'est toujours la même sensation quand je vois un mort. Toujours pareil. Ça n'a pas varié depuis le début. On m'a toujours dit, tu verras, tu t'endurciras, après on n'y fait plus attention, des trucs comme ça, mais il y a toujours un truc... C'est tellement indéfinissable. C'est même pas la tristesse. Au début, peut-être que j'ai ressenti la tristesse au départ, mais maintenant, c'est pas la tristesse. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui s'est fini là. Je crois qu'à chaque fois, c'est d'être... je me dis, tiens, moi aussi, je suis mortel, quoi. À chaque fois. Quand j'étais enfant, je l'ai frôlé de très 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 près et j'en étais complètement consciente. Mais comme je sentais que mes parents n'auraient pas supporté cette idée, c'est plutôt moi qui les aidais là. En le disant pas et en essayant. Bon. Mais de très près, oui. Et ça m'a pas laissé un souvenir atroce. Parce que pareil, parce que après des souffrances et des angoisses et des... quand j'ai vraiment eu le sentiment très sincère, et puis j'ai su après en confrontant ça avec ma mère 20 ans plus tard que j'avais pas rêvé, que c'était vrai, que c'était vraiment imminent, je te dirais bien. Quand j'ai réalisé toute seule qu'il ne s'agissait pas de demander de l'aide à droite ou à gauche, je me suis vraiment abandonnée complètement, laissée aller complètement à ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment très très bien. Je me dis que si c'est ça, il n'y a pas à avoir peur. Qu'est-ce qui fait peur, c'est le sang. Parce que j'aime pas quand on est mort. La mort a tendance à m'attirer, somme toute. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse, qui m'inquiète, oui, un peu, mais qui m'intrigue surtout, oui. Je trouve que la mort donne une certaine... La proximité de la mort donne une espèce de... Je sais pas si c'est... Une vérité aux choses qu'il y a autour. Une vérité des gens, une vérité des sentiments. Une vérité des horreurs aussi. Les choses sont plus tranchées, plus nettes à cause de la mort. Ça donne des... ça donne une espèce de légitimité à ce qu'on fait également, à ce qu'on peut dire. Oui,
l'approche d'une fin donne une légitimité plus grande à toutes les choses qu'on pourrait dire. Alors donc, j'ai peur de la mort parce que je suis un homme. Quand même quand la famille assiste à la mort de la personne proche. Même si ça a été horrible, même s'il a souffert, on peut pas dire ça à la famille, et là on est obligé de mentir. Donc on leur dit que non, tout s'est bien passé, qu'il a souffert. Ça c'est affreux à faire. C'est horrible. Parce que non seulement ça s'est mal passé pour nous, parce qu'il a souffert, nous aussi, et on est obligé de prendre ça sur nous, parce qu'on peut pas... On peut pas repasser cette souffrance-là à la famille. Donc il faut minimiser, je crois, la souffrance de la famille. Donc le discours habituel, c'est non, 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 il n'a pas souffert, ça s'est bien passé, vous inquiétez pas. Donc la famille est rassurée. Et puis bon, les aides, il y a le truc de rendre des affaires aussi, qu'on a mis dans un sac plastique horrible, en vrac. Un sac poubelle, des fois. Faire son deuil de quelqu'un, c'est la période que l'on met à admettre que ce quelqu'un est mort, à continuer de l'aimer, tout en pouvant vivre en sachant qu'on ne le verra plus jamais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pour ma mère, c'est quelque chose que j'ai pas vécu pour ma grand-mère. Je crois que j'ai l'impression que le deuil de ma grand-mère, il était fait avant qu'elle soit morte. Alors que ma mère, c'était pas du tout le cas et ça a duré très longtemps. Oui, le deuil de ma mère, c'était dur. Hein. Un souvenir qui m'est revenu aussi, quand je suis revenue à l'école, évidemment, mon père étant mort, il y a une approche complètement différente avec les autres enfants de la classe, quoi. Et je me sentais, en fait, on s'occupait de moi, tu vois, c'était... Et j'avais un côté, j'étais fière. Bah oui, mon père est mort, donc j'étais quelqu'un. Bah, c'était ça. J'ai été bien entourée par les enfants, c'est ça que j'apprécie. Mais au début, c'est très dur, on a l'impression... Pas les premiers jours. On est pris un peu dans une espèce de rêve, on flotte. Mais c'est après, quand on se retrouve tout seul, qu'on retrouve les souvenirs communs, quand on trouve les vêtements, tout. Alors là, c'est dur, c'est vraiment très dur. On se dit vraiment, il est parti. Là où vraiment j'ai été ébranlé et... ébranlé même tout au fond de mon être, c'est à la mort de ma mère. Là, j'ai compris que quelque chose venait de se passer, quelque chose de grave venait de se passer, non pas vis-à-vis de ma mère, mais vis-à-vis de moi. Dans le sens où cette mort-là, était pour moi la perte d'un point de repère, de vie. Elle m'a tellement accompagné dans toutes mes élucubrations d'enfant ou d'adolescent, ou voire même d'adulte, que quelque part elle en était arrivée à symboliser un peu cette vie. Et longtemps, je dirais longtemps, je n'ai pas réussi à comprendre réellement qu'elle était morte. Je me suis jamais posé la question pourquoi. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je voie les personnes que j'aimais qui mouraient, il fallait que je les voie mortes. J'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi pourquoi. Sinon que c'est, il s'agit d'un travail de deuil que j'essaie de faire. Et je pense que de mettre une image finale,
même si elle n'est pas rigolote. Il y a des fois, je me dis que je ne recommencerai pas à aller dans cette morgue, mais en même temps, je ne pourrais pas me passer d'une image définitive de quelqu'un. J'ai besoin, pour y croire vraiment, à cette mort, de voir un corps inanimé, quoi. De voir un cadavre. J'ai eu un moment hyper important pour ce travail de deuil. J'ai fait dans le cadre de Edge, j'ai assisté et j'ai été participant à un rituel de deuil, à une cérémonie du deuil, qui m'a permis d'exulter un peu parce que j'avais pas pu beaucoup pleurer pour Jérôme. Bon, c'était compliqué, et donc là, ça m'a permis de pleurer au moins pendant 2h30 suite à une cérémonie qu'on a fait en commun avec, il était au moins 80, 40 personnes à le faire, et puis 80 dans la salle, où il s'agissait d'aller à deux dans un bout de la pièce, allumer, prendre une bougie, une petite bougie d'anniversaire, l'allumer, et puis toujours à deux, aller jusqu'à devant un pot de sable, chacun avait son pot de sable devant, planter la bougie dans ce pot de sable, dire ou pas dire ce qu'on voulait, et puis avec l'eau qu'il y avait au milieu des deux pots de sable, éteindre la bougie. Et ensuite, l'intérêt d'être à deux, c'est qu'on pouvait se soutenir après avoir éteint cette bougie. On est restés, on était tous les deux dans la pièce après à pleurer comme des madeleines. Enfin, je sais pas combien de temps, mais ça m'avait fait un bien fou. C'est difficile parce que dans notre boulot, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, pas assez le temps de le faire, on est là pour ça, mais on n'a pas le temps de le faire. C'est difficile parce que c'est tellement dur à voir et tellement c'est insupportable que tu peux pas. T'essayes d'être naturel, mais c'est extrêmement difficile. T'essayes de pas montrer, t'essayes de lui changer les idées, de le faire rigoler, etc. De te comporter comme tu te comportais avec lui 6 mois avant. Un an avant, et c'est vraiment, mais j'ai jamais vécu quelque chose de plus difficile, de passer outre la maladie, quoi, de le regarder en face, d'avoir ce visage complètement gonflé, et les yeux qui te regardent comme ça, qui te demandent une chose, c'est de lui raconter des trucs, de lui dire ce que tu vis, etc., d'essayer de garder son sang-froid, de lui parler, de lui serrer la main, c'est un truc mou. Enfin, c'est... En plus, quand on vit des périodes comme ça, il y a un moment où, parce qu'il souffre, ou parce que ça peut nous gêner, parce que c'est contraignant d'avoir quelqu'un dans l'entourage qui est très très gravement malade, dont un jour on espère qui va guérir, donc le lendemain on a un moment de lucidité et on dit mais non, c'est foutu, c'est sûr, il va mourir. Il y a obligatoirement un moment où on dit, eh bien, puisqu'il doit mourir, que ça se fasse et que ça se fasse le plus rapidement possible, et pour lui et pour nous. C'est très égoïste aussi. C'est très culpabilisant de dire j'en ai ras-le-bol, je voudrais que ça se termine, et eh bien qu'elle meure, de toute façon il n'y a rien d'autre à espérer, que ça soit fini. Et ça, c'est aussi pour ceux qui sont vivants autour quelque chose de difficile parce qu'on n'est pas on est dans une position où on n'est pas très fier de soi-même. Et puis, ce qui est dommage là, dans ce boulot, c'est qu'il faut se battre bien souvent pour obtenir des calmants, parce qu'il faut aller au-delà des réticences des médecins qui sont des idées sur la mort. Alors ça soulève tous les débats sur l'euthanasie, ça soulève tous ces trucs-là. À quel moment on soulage, à quel moment on tue. Moi, je me bagarre tous les jours pour,
pour que ça se passe comme ça, pour que ça se passe bien et que le malade souffre pas, qu'il soit... L'idéal, c'est qu'il soit encore conscient et qu'il souffre pas. Parce que là, on voit tout le travail de ces gens-là, comment ils règlent les choses, comment ils convoquent la famille pour organiser les obsèques, et ça, ça apprend beaucoup quand on voit des gens qui réagissent comme ça, qui préparent tout et qui s'en vont ayant tout réglé. Donc là, c'est une mort sereine. C'est bon. C'est vraiment... C'est simple, c'est le bout de la vie, voilà, c'est fini. Et c'est pas triste. J'ai jamais trouvé ça triste quand ça se passait bien comme ça. J'ai toujours été très très présent sur les derniers jours. Ce que j'ai toujours regretté, et j'ai jamais pu le faire, avec notamment les deux amis que j'ai vraiment accompagnés tout au long de leur chemin vers la mort, c'est qu'on n'a jamais pu en parler de cette mort. Je me suis formé pour, je fais plein de trucs pour parler de la mort. J'ai été là, j'ai jamais pu parler, et je l'ai souvent regretté parce que je trouve que partir en ayant dit un certain nombre de choses, préparé un certain nombre de choses, c'était bien. Mais une fois que les gens sont dans un lit d'hôpital, ça change complètement les choses. Les rapports sont plus les mêmes. On ose difficilement aborder un problème de mort qui est tellement présent dans l'hôpital, tellement imminent que on n'a plus envie de l'aborder. Puis c'est plutôt difficile. Il y a des morts plus horribles où les gens sont pas préparés parce qu'on leur a pas révélé le diagnostic. Parce qu'on a révélé à la femme, la mère, l'enfant, tout le monde, et puis le seul concerné n'en sait rien. C'est vachement de tendresse. C'est d'être là, d'écouter, de toucher. Par le toucher, je rentre dans la chambre et puis... je leur prends la main, j'ai tout, je leur dis bonjour, je trouve ça vachement important de rentrer. Souvent, j'observe ça à l'hôpital, on rentre dans la chambre et puis bonjour, et ça reste très distant, on est là avec un chariot énorme, avec plein de trucs dessus, les gens nous voient, et on fait un peu extraterrestre avec tout, on fait peur parce que tout ce qu'il faut pour piquer, pour serrer, pour faire mal. Si on se met en tant que professionnel, on ne doit pas justement. On doit garder suffisamment de distance. Mais bon, moi je vois au niveau des infirmières et tout, il y avait vachement de problèmes, hein, parce qu'à cause de tous les décès qu'il y avait en pneumologie, parce que au niveau de l'accompagnement à la mort, le problème se posait, parce que les infirmières, elles savaient pas, elles n'étaient pas préparées, c'était hyper dur pour elles, quoi, et elles en parlaient, comme il y en avait vachement qui voulaient changer de service, ça tournait beaucoup, parce que c'était trop dur à assumer, quoi. Il n'y avait même pas un psychologue dans le service, ni pour les malades, ni pour le personnel soignant, alors c'est sûr que c'est pas possible. Enfin, ça fonctionne quand même, hein. De toute façon. Ça fonctionne comme ça. Et puis écoutez, ils ont plein de trucs à nous dire. Plein de choses intéressantes. Des gens qui se livrent, qui racontent leur vie, qui racontent leur loupé. Qui font un peu le bilan, c'est le moment du bilan. Donc parfois on voit que les gens le font eux-mêmes, tout seuls. Puis ça se passe au niveau de la famille. Parfois quand il n'y a pas grand monde ou la famille n'est pas à l'écoute, ils nous le disent à nous, ils nous disent ah là là, j'ai loupé ça. Accompagner, c'est ça, ouais, c'est être là. Je regrette qu'on n'ait pas assez de temps pour faire ça. Je crois qu'on devrait être détaché, on devrait détacher une personne en permanence pour le faire. Mais bon, pas assez d'argent, pas assez de moyens, pas assez de temps. L'hôpital, paradoxalement, l'hôpital en est fait pour ça, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, 80-90% des gens, peut-être plus d'ailleurs, qui meurent à l'hôpital. Et paradoxalement, c'est pas prévu. C'est même occulté, quoi.
on meurt, hop, vite, vite, on ferme la chambre, on descend le corps à la morgue, on nettoie tout et on remet un patient bien vivant dans le lit. Il y a une femme à laquelle je pense là tout de suite, pour laquelle j'étais vraiment auprès d'elle. C'est une femme que je n'avais jamais vue avant. Elle était dans le service depuis quelques jours. Et on n'a pas échangé deux phrases. Mais si tu veux, la personne qui me précédait lui a simplement... Elle ouvrait les yeux de temps en temps, lui a dit « je dois partir, et, mais on ne vous laisse pas toute seule ». Catherine va me relayer, si vous le souhaitez. Elle a jeté un coup d'œil, elle a fait signe qu'elle était d'accord, et elle a refermé les yeux et je suis restée à côté d'elle. Et elle avait tout le temps les yeux fermés, puis de temps en temps, elle jetait un regard vers moi, comme pour s'assurer que j'étais là, ou je ne sais pas exactement. Et à chaque fois, je lui faisais un sourire tranquille. Et puis, petit à petit... elle me regardait de moins en moins. Et puis elle avait l'air assez confiante et tranquille, si tu veux. Et petit à petit, elle a pu ouvrir les yeux du tout. Puis à un moment, elle a cessé de respirer. Et ça m'a semblé étonnant parce que j'ai pas vu vraiment de différence. J'ai pas vu vraiment de différence. J'ai dû m'assurer que vraiment elle respirait plus. J'ai vu une autre personne qui se sentait seule. Je crois que la mort est une solitude. Donnez-moi la main, a dit cette personne, que je vous sente là près de moi. Et je me suis dit, peut-être que à ce moment-là, et cette personne me donne une leçon, on doit être communautaire. Tout d'un coup, puisqu'il n'y a personne, solitude. Donnez-moi la main. Le besoin d'une présence, de ne pas être tout seul dans ce moment qui est le moment décisif. Par le biais de mon travail, parce que je vois quelqu'un qui va bientôt mourir. Donc c'est sûr que je suis obligée de parler de la mort avec sa femme, justement, qui elle va rester. Et c'est hyper dur, parce que ça veut dire que je lui parle d'après la mort de son mari. Je suis obligée de parler de l'après avec elle, parce qu'il faut que je prépare, parce que sinon elle va se retrouver dans une merde pas possible, quoi. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'aborde ça avec elle. Et puis j'essaye aussi de lui expliquer qu'il faut un peu qu'elle prépare ses enfants, parce que sinon ça va être... un choc hyper terrible, quoi. Mais dis donc, là on se rend compte de la difficulté d'aborder le sujet, quoi. Parce que c'est vachement cruel d'un côté d'aborder ça, quoi. C'est vrai que ça fait aussi, on se dit, on est vraiment inhumain de parler de... Moi, il faut que je lui fasse amener des papiers comme quoi, après la mort de son mari, elle pourra rester dans le logement. Je sais pas si tu vois, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse remplir un papier comme si son mari était mort. C'est difficile. Et elle a pas du tout parlé de ça à ses enfants, pas du tout. C'est les enfants, alors qu'elle sait que son mari va mourir bientôt, très prochainement, elle peut pas en parler à ses enfants, quoi. Et puis les parents, j'avais interrogé des parents aussi, ils peuvent pas, il y en a plein qui peuvent pas du tout envisager la mort de leur enfant, quoi. Ils font comme si tout allait bien. Alors que des fois, l'enfant, lui, il aura envie d'en parler avec ses parents. Et ça se voit vachement, quoi. Parce que lui, il est plus au clair avec ça que les parents, quoi. C'est dingue, d'ailleurs, ça. Je crois que plus on est en proximité avec la mort, et plus on a une grande envie de vivre. Et plus on est avec des gens qui luttent contre la mort, et plus on a envie de vivre et d'apprécier que le soleil se lève tous les matins et que... qu'il fasse beau ou mauvais, qu'on respire et qu'on bouffe, qu'on pète, qu'on bande. C'est quelque chose qu'on apprécie
moi que j'apprécie 100 fois plus qu'avant, sans avoir connu cette proximité. Avant, j'appréciais la vie, mais beaucoup moins que maintenant. D'adopter la mort, c'est aussi d'en faire quelque chose de quotidien. Je crois que ce qui nous est quotidien nous est peut-être plus acceptable. C'est plus facile. Et puis petit à petit, étant donné ce que m'ont dit certains malades, qui disent « mais il faut dire ceci, il faut dire cela », ou des familles, petit à petit j'ai commencé un peu à en parler quand ça venait dans la conversation, des généralités, à propos de... quand il y a eu des grands débats sur l'euthanasie ou autre, ben là finalement je parle parce que c'est vrai que j'ai vécu ça, ce que les malades ont dit, qu'ils veulent qu'on dise. Et je crois que il faut en parler pour casser ce silence, ce tabou. Et ils se sentent très très isolés, ils sont de plus en plus en train de mourir à l'hôpital au lieu de mourir chez eux. On n'en parle plus, on se dit que d'autres gens s'en occupent à notre place et... ça, il faut que ça cesse. Donc il faut en parler. Longtemps, je serai vieux. Il y en a qui sont vieux mais qui existent encore, mais après ils sont morts. Je dirais que déjà les gens ne savent pas vieillir. Quand on ne sait pas vieillir, on ne sait pas mourir. C'est pas possible. Quand on a passé 80 ans, on a déjà vécu pas mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? On devient vieux, on devient moche, on marche mal, on entend moins bien, on voit moins bien, enfin tout se diminue. C'est pas drôle, on est seul souvent. Enfin, moi en tout cas, oui, ça me paraît important de... Ouais, de pas avoir trop à regretter. Je vois tellement, oh là là, je vois tellement de gens qui regrettent plein de trucs. Qui... Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été mauvais dans la vie, j'ai remarqué chez les uns, il faut qu'ils le disent. Ils vont le dire à un commissaire de police, ils vont le dire à quelqu'un aussi confiant, à qui ils ont confiance, ils disent, c'est pour toi, c'est mon secret, je suis un salaud. Savoir reconnaître qu'on est un salaud, ben oui, ça arrive à tout le monde. Et qu'on prépare, on ne voudrait pas partir avec ce paquet-là, c'est trop lourd. Je trouve ça bien, c'est une sorte de préparation. Peut-être c'est ça, de préparer sa mort, c'est d'aller vers un idéal, d'être meilleur, encore meilleur, de faire un travail sur soi pour lutter contre ses défauts, contre ses... Oh, tous les trucs pas très... Comment dire ? Tous les traits de caractère douteux. Tout ce qui n'est pas... des fois on est un peu hypocrite, un peu méchant, un peu malveillant. Donc lutter contre ça et puis être meilleur, et je crois que comme ça j'aurais pas regretté ça. Mais pas être venu là pour rien, donc... Je crois qu'au moment de la mort, c'est ça qui doit être dur aussi. De dire j'ai rien fait, j'ai rien construit. Je me souviens d'une question qu'un jour on m'avait posée dans un stage de réflexion sur cette question-là, justement. On nous avait dit, bon, vous prenez une feuille de papier et puis comme ça, spontanément, on vous donne, je ne sais plus, très peu de temps, 10 minutes de réflexion. Et imaginez qu'on vous annonce, c'est sûr, vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Et qu'est-ce que vous feriez ? Et on écrit ce qui nous vient. Et après, comme chacun, j'ai relu mon papier. Et j'ai vu que tout ce que j'avais écrit très spontanément, c'est des choses que je pouvais faire le jour même. Et je ne les ai pas faites le jour même, parce qu'il y en avait certaines qui étaient quand même difficiles à réaliser. Mais
dans les semaines qui ont suivi, ce qui était important, j'ai réalisé notamment une réconciliation. C'était la première chose que j'ai mise, me réconcilier avec telle personne. Et ça, je l'ai faite parce que je me suis dit, au fond, pourquoi attendre qu'on nous dise, il n'y a plus que 3 mois, ça peut être demain. Et une fois que je me suis sentie vraiment bien en ordre avec tout ça, je me suis sentie très très bien. J'ai eu l'impression d'avoir posé un gros sac à dos que je trimballais depuis 30 ans sans le savoir. Et depuis, bah, c'est vrai que là, c'est pas une idée fixe, mais j'essaie de temps en temps de voir s'il n'y a plus rien qui traîne. Et à ce moment-là, on se sent très bien. Que j'ai vu, moi ce qui me tient très à cœur de dire, c'est que vraiment il faut surtout rien généraliser, que chaque personne est unique. Je l'ai pu voir à chaque fois, j'ai eu des surprises à chaque rencontre, à chaque fin, à chaque maladie, et que vraiment faut respecter la liberté des malades jusqu'au bout. C'est tout ce qu'ils attendent de nous. Qu'on en finisse avec tout ce tabou qui entraîne finalement vers une mort qui se passe mal. Parce que plus on la rejette, moins on en parle, plus on est coincé avec ça, et plus finalement les gens souffrent en mourant. Puisque si on se bat, je parlais tout à l'heure qu'on se bagarrait avec les médecins pour avoir des calmants, pour avoir tout ça, c'est parce qu'ils sont. Y a des, et c'est peut-être pour ça que j'en veux aussi à l'église, parce qu'il y a des tabous judéo-chrétiens où il est question de rédemption, et pour être racheté, il faut souffrir au moment de la mort pour avoir droit au paradis. Enfin, et ça, ça traîne dans les esprits. Et je lutte. Je voudrais dire vraiment, vraiment, il faut qu'on propose, qu'on soit capable. On a tous les moyens à l'hôpital. On a des médicaments, on a des techniques, on a tous les moyens pour que la mort se passe dignement et sans souffrance. Et ça se passe pas. Et ça me paraît inadmissible. Scandaleux. Il faudrait qu'on sache en parler beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement, et la considérant vraiment en faisant partie de notre vie. Ouais, c'est ça, vraiment faire partie de notre vie. T'imagines par exemple un monde sans la mort. En fait, ce sera ennuyeux. Ouais, je vois ça plutôt comme un truc, le cerveau délire complètement, il est plus irrigué, et puis tu vois des trucs fabuleux, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est l'aboutissement de la vie, c'est le bouquet final. Ça m'intrigue assez. J'aimerais bien savoir comment ça se passe, en fait. Mais je suis sûr que c'est plus ou moins heureux, en fait, parce que c'est le point final de la vie. Donc l'aboutissement en fait d'un truc, et en même temps ça peut être une libération dans certains cas. Donc c'est forcément quelque chose de fabuleux, de toute façon, je suis sûr. Ça doit être génial.